L'âne trop trop, l'âne trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, l'âne trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut. De moi. Mais qu'est-ce que tu fais derrière cet arbre? Je joue à cache-cache avec mon ami. Regarde. Ah. Un petit hérisson. Oh. Il est mignon. Ah. Oh. Mon ballon. Mon ballon a dû lui faire peur. J'ai une idée. Suis-moi. On va offrir un cadeau au hérisson pour lui montrer qu'on l'aime bien. Regarde, ça doit être son papa. Ou sa maman. C'est bon? Aïe! Oh. Ouf! Dis Lily, tu me prêtes une de tes moufles? Tiens, trop trop. Comme ça, on peut les caresser, ça ne pique plus. Très fort, trop trop. Ce n'est pas une bonne idée. Tu vas tout mouiller. Oh, ça y est. Viens, nounours. Il ne pleut plus. On va jouer dehors. Ce qui est bien avec les bottes, c'est qu'on peut marcher dans les flaques d'eau. On n'a pas les pieds mouillés. C'est rigolo, on est dans l'eau et on sent ses pieds tout chauds. On peut même sauter un peu. Même beaucoup. On peut même faire des glissades. Youpi! Une autre!
J'ai de l'eau dans mon pantalon et même dans ma culotte. C'est froid. Et à force de sauter, il y a un peu d'eau qui est entrée. Une dernière. Ouais. Cette fois, on est vraiment tout trempé. Et quand on est trempé, on est aussi glacé. Viens, nounours, rentrons au chaud. Tiens, il pleut encore. Mais tu es tout mouillé. Va vite te changer, te sécher devant la cheminée. D'accord, nounours. Aujourd'hui, on joue à la dinette. On va faire de la soupe pour nounours, pour Trotro, pour papa et pour maman. Et pour faire de la soupe, il faut aller ramasser les légumes. Pour faire une bonne soupe, il faut des pommes de terre. Mais les petits cailloux, c'est très bien aussi. C'est bon les pommes de terre. Pour la soupe, il faut aussi des poireaux. Oh, j'ai une idée. Je vais mettre du fromage râpé. Ça sera encore meilleur. Touille, touille, touille. Oh, il faut du sel aussi. Vroom, vroom, vroom. Et voilà, plein de sel. Merci, monsieur le camion. Qu'est-ce qu'il manque encore? De l'eau. Surtout, fais très attention, Trotro. Il ne faut pas en renverser. Touille, touille, touille. Et voilà, c'est prêt. Je vais la faire goûter à Nounours, à maman et à papa. Papa, maman, venez vite goûter ma soupe. Tiens, papa, mange ma bonne soupe. Délicieuse cette soupe, Trotro. Tiens, maman, à toi de goûter. Non, ma soupe. Oh, quel dommage. Tu es vraiment maladroite, maman. Pour la peine, c'est moi qui vais faire la soupe pour le dîner, Trotro. Ouf! Heureusement, il en reste juste assez pour la faire goûter à Nounours. Pauvre nounours, j'ai tout renversé.
Oh, nounours, tu as besoin de te laver. On a tous les deux besoin de se laver. D'abord moi. Et voilà, c'est fini. C'est mieux comme ça. À toi maintenant, nounours. Et voilà, c'est fait. Oh, ça n'est pas parti le chocolat. Trop, que fais-tu? Maman, regarde. Nounours a renversé son bol de petit déjeuner. En effet, qu'est-ce qu'il est maladroit ce nounours. Et qu'est-ce qu'il est sale. Il faut le laver. Je vais le mettre dans la machine à laver. Et voilà, Trotro, nounours est tout propre. Nounours! Tu es un peu mouillé. Je vais te sécher. Ça ne sèche pas. Tu vas être bien au soleil. Tu auras chaud. Et tu sécheras vite. Ça va, nounours? Ça ne pince pas trop? Tu sens bon, nounours. Tu sens le propre, tu sens le soleil. Tu me passes le crayon rouge, s'il te plaît? Non, je ne peux pas, j'en ai besoin. Alors passe-moi le jaune. Non, je vais en avoir besoin juste après. Bon, passe-moi le crayon dont tu ne te sers pas, alors. Non, ce sont mes crayons et j'en ai besoin pour mon dessin. Tu n'as qu'à jouer à autre chose, Lily. Touche pas au volant, il est fragile. Tu vas le casser. Non, pas celui-là, c'est mon préféré. J'ai envie de le regarder maintenant. Ballon. Bravo, tu as gagné, Trotro. Tous les jouets sont tombés. Ce sont mes jouets. Eh bien, je vais aller prendre mes jouets. Lily, tu peux me prêter tes rollers? Ah non,
m'amuse trop bien. Oh, Lily, laisse-moi essayer. Non, ce sont mes rollers. Je te prête tous mes crayons pour ton dessin. Non, je n'ai plus envie de dessiner. Tiens, je te prête aussi tout ça. Non, ils ne sont pas aussi bien que mes rollers. J'ai trouvé. Je te prête mon camion à roulettes et ma trompette pour faire le klaxon. D'accord. Un petit camion veut passer. Waouh, se prêter les jouets, c'est plus rigolo. Trop, c'est l'heure de la sieste. Oh. Oh non, non, non. Si, 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 on range tout ça et vite au lit. Mais papa, j'ai encore envie de jouer. Tu sais papa, je n'ai vraiment pas sommeil. Si tu veux jouer avec Lily, il faut d'abord te reposer. Je n'aime pas la sieste, ça ne sert à rien. Et je ne veux pas entendre de bruit. C'est maintenant que j'ai envie de jouer. Chut, non ours, pas de bruit. Et maintenant, on va jouer tous les deux. Je vais te faire une cabane. Tu aimes ta nouvelle maison, hein? Tchou-tchou, on veut passer. Tchou-tchou. Oh, on fait trop de bruit. Oh. Oh. Je vais faire une promenade à cheval. Plus vite. Un canard, une poule, une oie, un poussin. Debout, trop. Tu peux aller jouer avec Lily maintenant. Tu vois que tu avais besoin de dormir. À quoi on joue, Trotrot ? À la course. Le premier arrivé à l'arbre a gagné. D'accord, partez. Oh, je suis trop fatiguée. J'ai envie de dormir. Gagné. Ah, et si on jouait à faire la sieste ? Mais tu sais, Trotrot, je n'ai vraiment pas sommeil. Trotrot ? Je vais m'habiller tout seul. Bah, où sont passés mes vêtements? Maman a oublié de préparer mes habits. Tant pis. Je vais les choisir moi-même. Il y a tout ce qu'il faut dans mon placard. Ça va être amusant de mettre plein de vêtements. «
Je commence par la culotte et le pantalon. Le t-shirt. Et après, le pull. Maintenant les chaussettes. Enfin, les chaussures. Pas celles-ci, elles sont trop difficiles à mettre. Pas celles-là, elles font trop mal aux pieds. Les bottes, c'est ce qui est le plus facile à mettre. Hop, il suffit de mettre les pieds dedans, ça glisse tout seul. Quand on va dehors, il faut un manteau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon bonnet et mes moufles. Maman les avait cachés là. Nounours aussi doit s'habiller. Et voilà, Nounours, on est prêt. Mais... oh là là, j'ai trop chaud. Oh, viens dans l'eau, Trotro, ça fait du bien. Mais... c'est vrai, on est en été. J'avais oublié. Maman m'avait préparé mon maillot de bain. Ah, ça va plus vite de s'habiller quand c'est l'été. Oh. Je vais faire un gâteau, Trotro. Est-ce que je peux faire un gâteau moi aussi? Bonne idée, mon Trotro. Pour faire un gâteau, il faut de la farine. Pour faire un gâteau, il faut aussi des œufs. Oh! Fais attention, Trotro, il n'en reste plus que deux. Pas facile de casser des œufs. Bravo, Trotro. Pour faire un gâteau, il faut du sucre. Un peu, beaucoup, mais pas trop, Trotro. Touille, touille, je fais de la patouille, touille, touille. Tiens, mon Trotro, le rouleau à pâtisserie. Et roule, roule, petit rouleau. Roule, roule. Des petits trous, des petits trous. C'est encore plus rigolo avec des fourchettes. Tic, 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 tic. Je vais mettre plein de bonnes choses sur ma pâte. De la sauce tomate. Il en faut beaucoup. Du fromage râpé, comme s'il en pleuvait. Ça y est, mon gâteau est prêt. Ne touche pas au four, Trotro, c'est très chaud. Maman a mis mon gâteau au four, juste à côté du sien. Ça sent déjà très bon. Maman, maman, mon gâteau est cuit. Et voilà le très beau gâteau de Trotro. C'est papa qui va goûter mon gâteau en premier. Bien sûr. Il a l'air très bon. Ah.
ton gâteau, Trotrot. Ce n'est pas un gâteau. C'est une pizza. Une très bonne pizza. Oui, c'est la pizza Trotrot. C'est bien, Trotrot. Bravo, Trotrot. Range-les dans le placard, s'il te plaît. Oui, papa. Les grandes bottes de papa, les moyennes de maman et les petites de Trotrot. Elles sont vraiment grandes, celles de papa. Hop, c'est facile à mettre. Oula, oula! Mais c'est difficile de marcher avec. Avec ça, j'ai les pieds de papa. Hop, hop. Oh, je vois tout bizarre. Comme ça, je suis papa d'en haut jusqu'en bas. Bonjour, je suis le papa de Trotrot. Bonsoir, Trotrot. Hop. Voyons mon journal. Alors, quelles sont les nouvelles? C'est drôle de jouer à papa. Bonjour, madame, maman. Tiens, tiens, mais qui rentre dans la cuisine? Je suis le petit papa. Bonjour, monsieur le petit papa. Le petit papa veut sa tartine de confiture pour lire son journal. Coucou maman, je suis Trotrot. Je fais un câlin à mon petit nounours. Tiens, le petit Trotrot, voilà une bonne tartine de confiture pour ton goûter. Miam, miam, le petit Trotrot va se régaler. Ah non, Trotrot, c'est moi. C'est mon nounours. D'accord, tu as raison, Trotrot. Oui, et moi, je suis votre Trotrot, et c'est très bien comme ça. Et la tartine de confiture, elle est pour moi. Mmh.